Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War en mode zombie sur la map Moerder Totten. Alors grâce à ce glitch, vous allez pouvoir faire des XP en illimité très facilement et très rapidement. Donc pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de PhD Slider. Alors je vous conseille aussi de vous créer une classe au couteau, parce que le couteau, si vous l'améliorez niveau 3 et que vous améliorez son niveau de rareté en légendaire, le couteau va one-shot les zombies jusqu'à la manche infinie. Alors moi dans le gameplay, j'ai pris les seils et j'aurais dû prendre les couteaux, mais c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Alors je vous conseille aussi de mettre le mos de munitions fracas de tonnerre sur votre couteau pour faire encore plus de dégâts. Bien entendu, vous pouvez prendre pistolet laser, arme spéciale ou toutes les autres armes que vous voulez. Mais moi je réalise ce glitch avec des armes de corps à corps parce que vous allez pouvoir cutter les zombies en illimité. Alors quand vous êtes bien stuff pour rentrer dans le glitch, là ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à l'accès aux égouts. Donc à cet emplacement là, vous allez devoir passer à travers un mur. C'est pour ça que vous avez besoin de PhD Slider d'au moins niveau 3 dans vos talents, pour que votre glissade soit plus longue. Alors ce que vous allez devoir faire pour passer à travers le mur, c'est très simple. Vous avez juste à courir, sauter, puis vous accroupir quand vous êtes en l'air. Et quand vous touchez le sol, vous appuyez sur Option pour mettre Start à la partie. Et vous réappuyez sur Option pour remettre Play à la partie. Si vous réalisez bien le glitch, vous allez réussir à passer à travers le mur. Donc quand vous êtes passé à travers le mur, ce que vous faites c'est que vous vous placez en dessous des escaliers et là vous allez voir que tous les zombies vont pile up au-dessus de vous. En plus de ça, vous allez être invincible contre tous les zombies et vous allez pouvoir tous les cutter en illimité en regardant au-dessus de vous et en mettant des coups de cut. Après vous pouvez utiliser d'autres armes parce que tout simplement quand vous allez tuer des zombies, ils vont vous lâcher des munitions, donc vous aurez des munitions en illimité. Et si maintenant vous tombez à court de munitions, bah vous utilisez votre coup de couteau pour tuer les zombies restants. Jusqu'à temps d'obtenir un stack de munitions. Alors si maintenant vous voulez sortir du glitch, eh ben c'est super simple. Vous retournez par où vous êtes venu, vous appuyez sur X et vous allez voir que votre personnage va escalader le mur et va retourner dans la map. Par contre, si vous voulez retourner dans le glitch, il faudra refaire le glitch. Alors pour ceux qui ont un Cronus Max Pro, je vous mettrai un script en description et en commentaire épinglé qui fera en sorte que votre personnage cuttera en illimité et activera son spécialiste en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des XP en illimité, passer des manches en illimité sans rien faire. Le seul truc que vous avez à faire, c'est de télécharger le script que je mettrai en description et en commentaire épinglé, l'installer sur votre clé Cronus Max Pro. Ensuite, quand vous êtes dans le glitch, vous regardez en l'air et puis vous appuyez sur flèche de gauche pour activer le script. Et ensuite, la clé Cronus Max Pro jouera à votre place et cuttera les zombies en illimité et activera son spécialiste en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.